CNDB, c'est le Comité national pour le développement du bois. Les quatre missions du CNDB sont la communication, la formation, l'information et l'accompagnement. C'est la raison pour laquelle nous avons coordonné cet espace dans lequel on retrouve le CODIFAB France Bois Forêt, FIBOIS France, le CNDB, la DIF Bois et le projet France Bois 2024 ainsi que l'ameublement français. Cet espace collectif, il a pour but de valoriser une filière unie, rassemblée autour de projets collaboratifs et de véhiculer en fait tout ce que nous portons individuellement et collectivement pour promouvoir le matériau bois et pour faire en sorte que demain, nous construisons encore plus avec ce matériau durable, écologique. Ici, dans le cadre du Forum Bois Construction, on a réuni un certain nombre d'organismes qui portent au niveau national la filière bois à destination de tous les professionnels. L'idée générale, c'est de fédérer cette filière, de travailler plus ensemble, de façon plus collégiale, parce que nous devons répondre ensemble à des enjeux très importants. Donc des enjeux, c'est le développement du bois dans la construction, c'est le développement du bois dans ses usages, mais aussi en amont, c'est de protéger la forêt, au sens où on doit faire face au changement climatique. Il nous faut d'urgence renouveler la forêt à grande échelle. Le CNDB va nous aider à mieux communiquer sur nos projets stratégiques. La relation, je dirais, entre l'outil que peut représenter le CSF pour l'ensemble de la filière et le CNDB, voilà, c'est une relation qui est riche et qui doit apporter du sens aux actions et à la stratégie qu'on peut définir ensemble. C'est l'occasion, surtout avec ce retour au présentiel, de rencontrer tous les acteurs de la filière. Donc on continue le travail jusqu'à demain soir, vous savez, et en particulier avec le milieu des architectes, des maîtres d'ouvrage. La présence dans cet espace, c'est le CNDB, c'est la famille, à la fois depuis très longtemps, et puis à la fois pour l'avenir, puisqu'on va parler de 2024. Et là-dessus, on a un rôle important, que ce soit dans le matériau bois, mais aussi dans l'économie circulaire. Effectivement, nous avons beaucoup de projets collectifs, en commun également, et donc pour nous c'était très important d'être présent sur ce forum, de représenter le prix national, de représenter FIBOIS France et l'ensemble de ses partenaires. C'est intéressant en termes d'image, pour donner une image de la filière, ou pour les visiteurs, voyons que la filière c'est un ensemble de personnes qui travaillent ensemble avec des perceptions différentes et une vision commune. Cette filière qu'on a dit autrefois un peu dispersée, elle est complètement unie. Et donc si j'ai parlé de l'équipe de France Bois Construction, il était indispensable qu'on montre cette image d'unité au sein d'un espace commun et qui en plus est joli et utilise du bois et du feuillu, donc on est parfaitement heureux. L'objectif est que nous puissions valoriser la filière forêt-bois française dans son ensemble afin que demain nous puissions construire, aménager, rénover avec ce fabuleux matériau qu'est le matériau bois.